Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marwa Waya. Hello, mais on retrouve notre famille où elle était. Hein. Tu vas te retourner te coucher toi. Et toi aussi, chouchou. Non, 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 non. Maman, elle va te raconter une histoire. C'est pas possible ça. Tiens, une chatte. Non, bah, Shima! T'es encore adulte, quand est-ce que tu vieillis, Hippo? Sachant qu'on l'a déjà sauvé une fois de la mort, un mec il passe un de ces quatre, hein. C'est méchant ce que je dis, je déteste ça en plus, mais bon. Ça me fait beaucoup plus de peine quand un chat ou un chien dans les Sims meurt qu'un Sims. C'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire, Calibou? Ah bah il s'assoit pour pas son truc. Ouais. Bon, ben comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors, lundi, 4h30 du matin. Ok. C'est parfait. Donc, effectivement, je pense qu'on va acheter un petit terrain. Je vais y arriver. Bonjour, bonjour, bonjour. Un petit terrain pour faire un magasin et faire une galerie, en fait, où on pourra vendre les toiles de Marwa. Et ben, et de Caleb aussi, s'il commence à avoir un bon niveau. Donc, pourquoi pas. Et j'ai rasé un terrain qui est au marché des épices. Parce que là où ils vivent, en fait, le seul terrain qui serait dispo, c'est de raser ça. Mais comme ça nous fera aller aussi aller ailleurs un peu, plutôt que rester toujours dans le quartier des arts, quoi. Une galerie d'art dans un quartier des épices, c'est plutôt pas mal, non, Crapo? Ok, ça c'était la tienne? Non, c'était celle de Marwa. Ah non, c'était celle de Caleb, je pensais avoir Caleb, ok. Non, non, mais tout va bien. Ah, on va encore recevoir des trucs. Après, je peux très bien arrêter en faisant ça, mais j'ai pas envie, quoi. C'est cool, ça nous ramène de la thune. Et sinon, comment on fait pour acheter un magasin? Je pense qu'il faut aller acheter un magasin. Voilà, on va voir ce que ça fait. Suspense. Je l'ai fait pour mon legacy privé, mais c'était il y a très très longtemps. Hey, il s'est cassé! Bon, on va voir ça. Alors voilà la map de San Michuno. Et lui, il faut 9000 quand même. Acheter maison du vaisseau en tant que commerce. Oui. Ça veut dire qu'on y va tout de suite. Ouais, mais j'ai pas prévu de faire les travaux du tout maintenant. Hein. J'avoue que là, je le ferai peut-être pour le prochain épisode. Où je créerai la boutique. Je sais pas du tout en plus. Voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Mais non, non, on va pas faire ça tout de suite en tout cas. Eh bah oui. Et en plus, on a nos factures de 5000 qui viennent d'arriver. Transférer les fonds de... Ah oui, d'accord, c'est vrai. Non, bon, on va mettre 20 000, c'est pas mal. Alors voilà le terrain, il est quand même grand au bord de l'eau. C'est l'eau, hein. C'est l'eau, ça. C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau, mais comme on n'est pas à la mer, ça bouge pas autant que l'eau de la mer. Eh, il y a quand même des petits poissons et tout. Pour à pêcher. Bon, le terrain est super grand. Et elle est partie pour chanter encore un coup. Là, il y a quoi? Il y a le truc à karaoké. Vous voyez ici, il y a tout le quartier des épices. Donc, ça peut être vraiment sympathique. Ça nous ramènera des clients. Ils ont juste à traverser. Ils sont chez nous. Ah, tiens, ça ressemble à l'appart, ça. C'est marrant. Voilà, donc ça fera un peu voyager. Et effectivement, je pense que je ferai les travaux. Je ferai construire. Bon, pour l'instant, j'ai mis 20 000 de budget, mais peut-être qu'on aura besoin de plus. Hein. Alors, il y a des chances. Hein. Puis après, elle fera des toiles et tout. Donc, c'est quoi cette lumière hein? C'est quoi ça? C'est un phare? Comment ça se passe? Oui, comme ça, c'est bien. Et puis, vous voyez, j'ai cru voir. Oui, ah, genre, je croyais que c'était un arrêt de bus. Mais c'est une pissotière. D'accord, très bien. Dites les gens, vous êtes prêts à venir chez moi acheter des œuvres d'art à prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire hors de prix, à 2000% de marge. Bon allez, de toute façon, on va retourner à la maison, parce que là, ça ne le fait pas. And we're back home. Miaou, il y a des chats qui miaulent tout le temps. Lui, il boit l'eau, d'accord. Tu vas faire un peu d'éducation, canine, féline. Ah, mais ils sont réveillés encore? Mais quoi?
Mais non, mais tu retournes dormir, Edani, 6 h du mat, toi aussi. Oh là là, les gosses. Non mais dites. Oh dodo. Ça c'est Athéna. Athéna, elle est plus fine que sa mère. Du coup, on la reconnaît un peu plus. Ranger, c'est qui ça qui a fait ça? C'est marrant. Ah oui, elle avait fait ça pour. D'accord. Oui. Les cours d'Azinor commencent dans 1 heure, bah oui. Bah elle finit sa nuit là pour l'instant. Hein. J'espère qu'il y en a une qui va pas venir la réveiller là. Non, ça va. C'est la belle vie pour les chats. Hein. Par contre, moi, je serais incapable de laisser mes chats monter par exemple sur la rambarde parce que je sais très bien qu'ils le feraient. Et j'aurais tellement peur qu'ils tombent. Alors là, limite là. Là, d'ici, il tombe là. Tu te dis oui, bah ça reste encore chez toi. Mais vous imaginez de là-haut? De là? D'ici? Même de. Non, 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 je veux pas qu'il tombe tout court. Tiens, tu peux essuyer. Tu peux tout récolter des plasma flottes. Oui, c'est bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Je suis pas sur un bon étage, donc forcément. Marouette. Marouette. J'aimerais bien que pour que tu nous fasses. Déjà, tu vas nous faire un combo de toutes les toiles. J'ai envie de dire, ça pourrait être bien. Tu vas nous ton nouveau bien et tu vas le vendre à un collectionneur. Elle va nous faire, à chaque humeur, elle va nous faire une toile comme ça. On va pouvoir les mettre de côté et au moins mettre ça en vente dans la boutique. Et puis après, elle fera son taf, quoi. Calébou, tu remanges encore un coup et est-ce que tu peux. Est-ce qu'on aurait reçu les trucs là? Je pense pas. Ah, paye le loyer, vas-y, paye le loyer. Et je te remette un peu. Écrire. Reprendre un lien d'écriture, la chaise disparue. Et ben voilà, tu vas remettre un peu au bouquin, histoire que ça nous fasse des revenus réguliers. Par contre, il y a un chat qui arrête pas de gueuler. Je sais pas c'est lequel. Bon, c'est la Chibo, comme d'hab, quoi. La chieuse. La râleuse! La relouf! Quoi? Il y a quelqu'un qui est mort? Et j'ai entendu parler d'intéressante musique avec Azenor. Mais, et sérieux, Gaston, tu fais super peur, quoi. Arrête! Genre, je suis amie avec ma fille, c'est une grande nouvelle, quoi. Bah ouais, apparemment, dans les Sims, ça marche comme ça. Oups, j'ai oublié l'école! Vas-y, Azenor, va à l'école! Tu te changes, hein? Tu me fais plaisir, tu te changes? Non, t'es sérieuse? Tu te changes. Tu t'habilles, tu fais quelque chose. Non, non, mais non. Oui, tu dois sécher l'école, mais tu t'habilles et tu vas à l'école. Voilà, c'est bien, t'es habillée. Ah, oh, ma petite. Tu peux aller à l'école maintenant, voilà, avec le sourire, tout ça. La 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 la, on est lundi, je vais y aller à l'école. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont peut-être retourner en cours. Profitez-en, parce que après, quand vous serez adulte et que vous voudrez bosser, les vacances, ce sera très rare. Et le retour à l'école slash boulot, c'est beaucoup trop souvent à notre goût. Donc profitez-en d'avoir autant de vacances pour le temps qui vous reste, en tout cas. Et puis voilà. J'ai que ça à dire. Voilà. Ouais, elle est partie à l'école. C'est parfait. Tu vas réviser un petit peu. Elle a B. Bon, ça va. Ça va. Elle est pas si nulle que ça. Le petit, lui, il va mourir de faim. On va se le faire enlever. Marouat, tu vas jeter la nourriture gâtée et tu vas ouvrir et donner un truc à ton fils. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Prends une portion pour Aiden, comme ça. Ce sera parfait. Ah, Edan, mon chou. Il va être l'heure de se lever. Tiens, réveille-toi. Il est quelle heure? 9 h 30. C'est une bonne heure pour se réveiller. Tu mangeras tranquillement ta petite pâtée de pâte au fromage. Oh, la petite voix qu'il a. Il est trop mignon. Marouat, tu peux lui donner? Tu seras un amour? Oh, mais arrête, tu peux lui donner. Fais pas ta chieuse. Voilà, mais c'est bien. Mange, mon petit, mange. Ta mère, elle passe foutue de te le donner dans ton inventaire, donc il va falloir que tu manges par terre. Alors, Marois, dis Simflouze, truc mystique, et après. Bon, on a quand même des.
Des sacrés, il y a toujours des bogages, ça me fait rire. Souviens-toi, la pause déjeuner à 615 plus 488, ça nous fait déjà 1100. 1600, 1700. Ça va, on n'est pas à plaindre. Il y a les flics qui passent dans le quartier. Mais Aidan! Ce petit con là, il perd un temps infini. Il y a des places partout pour lui. Il y a son lit. Il y a des poufs que j'ai mis ici exprès. Non! Non, il veut aller en bas! Ah, bordel! Ce gosse! Comme ta mère et comme ton père! Vous êtes chiant comme les morts. Bon, Maran, vas-y, fais le ménage, parce que là, c'est dégueulasse. Donc, sinon, ça... Voilà, ben, si le service d'hygiène se pointe, ça va être l'enfer. Ah, bah ben, voilà! Un petit peu de courrier. Bonjour, monsieur, le facteur! Nous allons prendre le courrier, nous allons examiner des choses. Ah, ben, il y avait encore un truc là? Ben, mettre dans l'inventaire. C'est ça, ta toile, le... Oh, fuck. Tu vas encadrer et tu vas la mettre dans l'inventaire. Ça, au moins, c'est fait. T'as pris le courrier, cocotte. Oh, ben là-bas. Et ben après, tu feras. Toile colérique, j'avais pris quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Toile triste. Ok, toile colérique maintenant. Voilà! Et donc, elle a des trucs, je pense. Oh, on en a quatre. Alors, je vais en donner un à mort. Je vais en donner un à Calebout, comme ça, ils auront de quoi faire tous les deux un peu de taf. La gueule de cette toile colérique, quoi, stop. Allez, tu vas mettre dans l'inventaire. Tu vas me refaire une toile confiante maintenant. Ça, on va passer par toutes les étapes, hein, je vous dis. Ça fera une base pour le magasin. Ah, c'est le petit chat qui dort. Trop bien. Bon, allez, Calibou, fais le ménage. T'as réussi à finir ton bouquin. Donc, revue littéraire. La chaise disparue. Et puis, tu vas pouvoir taffer un peu. Authentifier un objet ancien. Hop! Quoi? D'accord, je sais pas trop ce qui est. T'as pas pu auto-publier ton truc? Si, c'est bon. Tu vois bien. Qu'est-ce qu'il fait, Buchon, là? Il pète. Oh, il est en colère. Putain, mais il vient de bouffer! Oh là là! Casse le cou et tiens, prends des restes. Soit tu te démerdes, tu te sers toi-même. Dans le frigal! Et c'est bien! Il a bouffé du sucre, mais en fait, le gâteau, ça ne nourrit pas du tout, quoi. Allez, Dan! Vas-y! J'ai dit va manger, espèce de petit con. Il peut peut-être pas. Alors pourquoi il y a l'option qui existe? Félicitations! Maro vient de finir un chef-d'œuvre! Oh! Ah oui, 1600 quand même. Tu vas encadrer la toile et mettre dans l'inventaire, s'il te plaise. Coucou, Athénate! Infernalia. Ah, tu vas faire peur au chat. Et tu vas faire une toile en jouet ensuite, évidemment. Avec une toile à 1600, si on la vend 200 à deux fois le prix, ça va quoi. On va éviter de se rembourser les frais d'achat de la boutique. Et hop là, un objet authentique pour Caleb. Ramasser. À ramasser. L'esprit de Bartholomew. Oh, le chat qu'on voulait tellement se faire reproduire avec Nabeshima et mouru, bien mouru, et parce que même son esprit s'en va. Et Nabeshima est encore là. Et oui, comme quoi, c'est une survivante. Hein, Nab? Nab, Nab. Oh, Fifi. Moi, tu es belle. Oh, tu es belle, ma Fifi. Tu es une warrior. Oh là! Oh là là! Oh, ils s'aiment pas. Je sais pas comment ils ont réussi à faire des bébés, sachant qu'ils peuvent pas se piffrer. Il faut penser à mes chats qui peuvent pas se voir non plus. Oh, des donuts! Mais c'est magnifique. 1800! Encadre ça et tu la mets dans ton inventaire. Merci. Allez, et tu continues. On était enjôleuse alors. Il me semble que c'était ça. On a triste, colérique, confiant et enjoué. Ben non, qu'est-ce que j'ai fait? Enjôleuse, donc c'est bon. Azénor est rentré avec un projet score.
J'en ai marre, il croyait colère. Tiens, caresse à Apollon. Fais-lui des câlins, petit minou. Avec un B. Okay. Ben, c'est cool, en plus, on a de la place ici, donc on va pouvoir faire son super projet scolaire de la mort, là. Commencer à travailler soigneusement. C'est parfait, comme ça, elle aura des bonnes notes. Ah, elle pue un peu, Azénor. Et lui, il examine sa tête de crâne, je vais dire. Oui, sa tête de crâne, oui, bah oui, c'est logique, non, quand même. Et encore de l'authentique pour Calebout, renvoyer objet. Et hop, on n'a même pas le temps de renvoyer qu'on a déjà touché 3215, c'est une flouze. L'argent coule à flot, je vous le dis. Et elle a fini sa toile, on nous prévient même pas. Tu n'as pas fait un chef-d'œuvre. 720! Oh, et puis elle est pas très belle. Hein. Oh la vache. Franchement, non. Arrête de chanter à ton mec, je t'entends là. Toile triste. Tu l'as déjà fait, je crois. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Tu vas faire un paysage alors. Et tu vas aider ta fille pour son projet. Puisque toujours les rapports ce ne sont pas forcément toujours au top. Nous le savons bien, vous savez. Regardez, c'est pas non plus bon. Avec son fils, c'est pas mieux non plus. Mais Caleb, lui, ça passe grave, quoi. Mais Mara, c'est pas l'idéal avec sa fille, quoi. C'est relou. Je comprends pas. Mais je pense que c'est parce que quand elle grogne, ça fait du moins partout. Et ça marche pas. Il y a que Caleb qui est insensible à ses grognements, Mara, c'est ça. C'est peut-être parce que c'est lui qui l'a engendré. Je sais pas. Il y a bien, bien, bien fort longtemps. Quand elle était encore qu'une adolescente, il a planté ses crocs dans son cou et a sucé son sang. Et lui a donné le sien, transformant cette jolie jeune fille pure et innocente en un vampire sanguinaire. Bon, c'est énorme, après c'est la douche, hein, parce que là. Tu pues là-haut! Festival Frasque et Humour! Wouh! Trop bien! Mais madame, vous êtes qui? Tu t'en vas, tu te casses à demander de partir. Non mais la meuf, elle était chez WAM comme ça, tranquille. Oui, Caleb, il était plus ou moins ami avec toi à une époque, mais maintenant on veut plus te voir. Vas-y, dégage, t'es vieille en plus. Eh, faut quand? Oh, les minouches! Comment ça va, les minouchettes? Ouais, ça me fait rire parce que Marwa et Caleb, ils ont des chattes noires et blancs. Et moi, j'ai deux chats noirs et blancs. Oh, trop chaud. Compétence 2, physiologie? Hein? Pourquoi? Ah, parce qu'elle fait ça, pardon. Ok, j'avais pas compris. Oui. Alors, quel joli petit. Oh, c'est joli ça. Non. Tu vas l'encadrer avant et après le mettre dans l'inventaire. C'est mignon. Merde, ce que je fais. C'est mignon, c'est un joli petit paysage. Voilà. Hein. Il vaut combien? J'ai même pas regardé. 681. C'est pas encore. Voilà. On a eu beaucoup mieux. Hein, je tiens à vous le dire. Mince. C'est pas ce que je voulais faire. Enfin, si. Mais bon. Mais non. C'est pas ce que je veux faire. Tant pis. Oula! Ah, Festival Frasque et Humour. Il est là en bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Aidan a très faim. J'ai foutu où ma photo? Oh, c'est pas possible. Papa, il va te donner à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais papa va faire à bouffer, alors c'est pas grave, je voulais montrer. On va faire autre chose. Tu vas manger, servir le dîner. Boulette de viande. Allez, plus vite que ça, Calebout. Va cuisiner pour ton fils, tu sais, le temps qu'il descende et qu'il arrive là, on sera déjà l'année prochaine. Oh ouais, mais non, mais. Il a mangé deux parts de gâteau. Hein. Ça se voit pas du tout. Mais pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ok, c'est bon, tout va bien, j'ai retrouvé la photo qui était là. J'ai eu peur, j'avoue. Je me suis dit, merde, j'ai merdé, j'ai perdu une photo que j'avais tant galéré à faire. Une photo du mariage, quand même, faut pas déconner. Hein. On rigole pas avec ça. Projet scolaire terminé. Bravo, Choupettas! Tu vas le mettre dans l'inventaire et tu vas aller te laver parce que t'es une grosse dégueulasse qui pue. Allez, hop, douche.
Pendant que Calebout, il a fini de manger. Ah bah c'est parfait. Prends une portion. Mais non, mais Kala, tu vas pas manger? Tu manges pas, toi? Chouchou, là. Va manger, toi. Vas-y, arrête de faire ta crise. Mais mange pas ça, je t'ai dit, idiot. Toi, mange tes morts. T'as déjà... Non, vous avez déjà plus de machin. Non, mais vous me cassez les couilles. Hein. Oh, la vache. Il faut vraiment... Si, t'as des plasma fruits, là. Tu me casses pas les pieds. Allez. Tu vas en manger deux, trois, là. Satisfaire ta faim. Ta soif. Ta soif de sang, de plasma. Oh, Apollon, le trou miel. Ouais, c'est tant mieux que c'est chaque avec ses enfants. Marois, c'est quand même dingue. Elle fait ça, c'est très bien. Oh, il est trop mignon. Bon, sinon, vous pouvez discuter entre vous, les. Ouais. Demandez de passer du temps ensemble. On vit ensemble, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, il y aura à bouffer. Pour tout, pour un quelque temps pour les enfants. Ce quand même. Ok, je peux rester un peu. Ouais. Ben, on vous en demandera où tu iras après. Il a fait quoi, lui? Il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule. Il s'évanouit. Très bien. Je te remets ton assiette à côté de toi. Tu pourras manger comme les chiens et les chats. C'est qu'ils s'y font. Ils friment avec leur pouvoir. Ah ouais. Mais Marwa est plus forte que toi, Kalebou. Beaucoup plus forte que toi. Voilà. Cherche pas. Tu ne l'égaleras jamais. En plus, c'est vrai qu'elle peut faire des trucs genre vampire, influencer les émotions, élan de bonheur. Et normalement, il y a une espèce d'éclair qui fait qui est énorme en fait. Voilà. Waouh, d'accord. Je le pensais un peu plus gros que ça. C'est pas grave. Oh, la saloperie de sa mère! Petit con de ta race! Vous savez que non, je suis très vulgaire. Et on me l'a déjà rappelé. Cordo. Toi, mange, Marouat. Bah, Calebout, tu sais ce que tu fais, tu vas nettoyer. C'est ça la vie de famille, c'est ça être parent, hein, savoir des gosses qui font des conneries et puis devoir faire le ménage derrière. Voilà. Et après, t'iras au lit, petit Aiden, peut-être. Si ce repas te sustente, oui, pour l'instant, il te sustente. Tu iras sur le popo et tu iras au dodo. Non, pas une sieste, mon petit. Non, 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 ça suffit les siestes. Ah. Parce que de toute façon, des fois on peut aller le coucher, des fois on peut pas. Alors, je ne sais pas, je vais le faire coucher soi-même. Il va se coucher soi-même. Et puis voilà. Et franchement, les placements frites, c'est de la merde. Ça n'épanche pas sa soif. Deux, troisième. Renvoyé. Mais pourquoi il était... Oui. Waouh, 4470. Oh la vache, c'est cool. Qui c'est qui miaule comme ça? C'est toi, Apollon? Qu'est-ce que t'en rire, mon pépère? Calebout? Bon, bon, tu fais ta life. Elle est en train de kiffer sa vibe avec son mec. Et on va mettre ça dans l'inventaire. Et puis tu vas faire pareil. Authentifier les objets anciens qui restent à faire. Et on sera bon pour aujourd'hui. Regardez-moi tous ces minous. Tous ces minous, tous ensemble. Oui. Ah, lui, elle aime bien la musique. Sans souci, c'est une musique un peu zen, un peu indienne. Oh, il lui pète. Super. Oh, il veut des mamours! Regardez-moi, tiens, il veut des mamours.
De la symétrie. Là. Alors je vous assure, déjà deux chats c'est pas mal, mais alors trois ça doit vraiment être le bordel quoi. Dodo, Aiden, allez, zou, file. Je suis sûre qu'il va se casser, il va tourner dans les pommes avant d'arriver à son lit. Mais je le sens bien gros comme une maison. Bon, ma cocotte, on n'attend plus que toi maintenant. Voilà ce que ça donne, l'effet d'artifice depuis la fenêtre. Finalement, c'est pas si haut que ça, hein. Nous, on est plus haut, hein. En même temps, j'imagine pas en pleine ville d'avoir des feux d'artifice en plein comme ça qui viennent en bas de chez toi alors que t'as envie d'être tranquille. Quasiment très régulièrement, quand même, parce qu'ils bon, ils le reproduisent très souvent. Mais dis donc, j'ai pas vu de pluie! Je n'ai pas vu de pluie aujourd'hui! C'est très étonnant. Marouette. Tu vas renvoyer l'objet ancien, j'ai pas fait gaffe. Oh, 4300 vaches. Et authentifier le crâne. Et on sera bien, on aura avancé, on aura vraiment. On se sera quasiment remboursé le. Je pense que c'est carrément le cas. On était à. Non, on était à 48 000. Donc il nous reste encore quelques sous. Mais il y a eu les factures. Mais sinon, on s'est remboursé quand même quasiment l'achat du terrain et des. Et des thunes qu'on y a mis, attendez, je dis des conneries. On avait 48 000 une fois le terrain acheté. Ouais, il a quand même coûté 9 600 plus, hein, ce bâtard. Bon, ça va, c'est quand même bien. Bon, avec les vampires, on est bien. Entre les peintures, les bouquins et, comment dire, les trucs là, les machins authentifiés, tout, très souvent, en fait, on gagne un pognon monstre, quoi. Donc c'est génial. Et comme c'est des vampires qui mourront quasiment normalement jamais. On aura de la thune à tire-larigot. Ad vitam aeternam, qui c'est qui? J'ai cru comme si j'entendais un fantôme. Mais pourquoi il y aurait un fantôme? Il n'y a pas de fantôme chez nous. Nous, on connaît pas de fantômes, nous, on les invite pas chez nous. On a des enfants, ils vont avoir peur. Quand même, faut pas les connaître, hein. Mais oui, on n'a pas eu de pluie, je suis étonnée. Ah ouais, non, mais c'est tellement une des rares parties, enfin, épisodes en tout cas, où je n'aurais pas eu de pluie, donc on peut applaudir. Et encore authentique pour Marois. Et on va renvoyer l'objet et on va toucher. Oula, oula, ouais, j'ai bougé la table, excusez-moi, madame. Je t'ai fait bugger, Marouette. On a touché 4648 simflouzettes. C'est donc cool! C'est parfait, elle est partie où? Mange et va te laver aussi. Non mais. Manger! Oh, il y a le petit qui s'est réveillé. Enlever ses vêtements. Non, alors non, c'est pas ce que je voulais faire, n'est-ce pas? C'est Marouat, ça va aller. Tu vas rassurer ton enfant. Va rassurer ton fils. Bon, c'est. Va s'asseoir toi si tu veux. Voilà, vas-y, ça va vachement bien aller. Oh là là, ils s'entendent pas. C'est horrible. Illuminer la journée. Faire un câlin. Oh mon Dieu, ils s'entendent tellement pas. Ça va aller encore, allez. Le mettre au lit. Oh, regardez un enfant qui vole! Ça me fait tellement rire. Mais, oh, oui, si je suis trop près, c'est parce que je fais pas attention. C'est un enfant qui vole! Il est enlevé par un fantôme. Mais je sais, c'est débile. 9 compétences éducation. Tu peux. Le mettre au lit, stop. Ça marche pas, d'accord. Bon bah Aidan, tu fais chier. Tu vas te coucher. Putain, mais il a refaim. Mais c'est un gouffre sans nom, ce chose. Et les deux chats qui sont là. Ah, c'est pas possible aussi, ça. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Qu'est-ce qu'il y a? La litière encore qui vous plaît pas? Oh, oui, elle est dégueulasse. Non. Tu parles à qui? Oh, il parle aux chiottes, lui. Vide la litière. Litière, pas litière. Mais arrête de parler aux chiottes!
Caresse Apollon. Oui, si tu veux. Voilà. C'est une litière propre et généreuse que nous avons ici. Ça devrait aller, non? Les chattes? Bon. Parfait. Toi, mange. Oh, mais non, à la fin, cette conne-là. Athéna. Ah, viens, Athéna. Oh, vous me pétez les noix! Arrête de parler à ce chiotte, toi, t'es con, quoi! Non, mais il a une lubie, lui, ça y est. Alors, remarque, si je pouvais parler à mes chiottes, va savoir ce qu'ils diraient, parce que vu ce qu'ils ont vu passer, mon Dieu, j'ai pas envie de savoir, moi. Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Encore des amoureux qui sont des bisous, comme d'habitude. Des chats qui font chier, comme d'habitude. Et puis voilà, hein, prochaine étape, donc ce sera la construction du magasin, je pense, enfin du magasin, de la boutique de toile, quoi, et de la petite galerie d'art. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Let's Play de Marois ou d'autres choses. Allez, salut!